Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. J'espère que vous allez bien, nous allons continuer cette aventure finalement, que nous avions laissé la semaine dernière pour vous. Moi c'était il y a même pas 20 secondes, puisque j'ai tourné à peine l'épisode il y a 20 secondes justement. Nous allons parler du bathing spot, mais ce n'est pas grave, puisque moi je ne pourrai plus jouer pendant 2 semaines, 3 peut-être même, donc ça va faire mal. Bref. Ne parlons pas des choses qui fâchent et jouons au jeu tant que nous pouvons parce que c'est ça qui est cool. Si je peux me permettre, procureur Oshi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il arrête de nous maltraiter le pecno là? Je me demande, pouvez-vous expliquer? Vous avez mentionné un lieu de baignade. Oui, ah mais mille excuses, clairement ma modernité a confus cet pauvre esprit simple du jeune bouffon du pays. C'est pas bouffon mais on se comprend. Les bathing spots, donc les lieux de baignade, sont la dernière mode dans les pratiques de bien-être finalement de l'Ouest. Il nous est dit que nous baigner dans l'eau des océans est curatif, thérapeutique et excellent pour la peau. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me référais au fait que Miss Brett avait avec toutes les intentions et les faits, été trouvée coupable de meurtre. Pourquoi un criminel connu pourrait se relaxer près de la mer? Petit point. Haha. Mais pour le bon vieux temps, je suppose. Pardon. Miss Brett devait partir à Shanghai le jour d'après. Son dernier souhait était... comme dit, était de profiter d'un dernier jour dans notre merveilleuse côte du pays. Et vous lui dites, mais c'est un criminel à mort, bien sûr. Donnons-le lui. Ce n'est qu'un... professeur anglais de plus qu'elle a tué finalement. Et l'ambassade de Britannique a mis une extrême pression à notre gouvernement pour faire en sorte que ce soit fait. Mais sur quelle base auriez-vous accepté une telle requête? Parce que, comme d'habitude, notre gouvernement est incapable de se montrer fort face au pouvoir étranger. En matière de diplomatie, il semblerait que nous n'ayons même pas le courage de décliner les volontés d'un criminel connu. Yes. Ne me regardez pas, professeur. C'est le gouvernement qui a donné la permission, pas moi. Dans tous les cas, il a été décidé que, avec un détective dédié au travail, rien ne pourrait mal se passer. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Et évidemment, il s'abstente 5 minutes pour on ne sait quelle raison, et paf, elle meurt. Bien joué, monsieur le détective. Mais en fait, un meurtre a eu lieu. J'ai dit, ne me regardez pas, c'est cette jeune fille qui l'a fait, pas moi. Personne ne l'a prouvé encore. Je ne provoquerai pas cet homme si tu n'as pas besoin de le faire. Je pouvais lui arracher les cheveux qui lui restent, ça serait pas mal déjà. Je crois que nous avons une image claire de l'incident désormais. Malgré que sa culpabilité a été déterminée il y a 9 mois, Miss Brett a réussi à éviter l'incarcération et à la place, continuer ses recherches et travailler à l'université. Pardon ? Quoi ? Évidemment, sur cette période, moi... Non, elle et Ray se seraient rencontrés plus d'une fois, plus du nombre. Non mais, comment ça se fait? Se rencontrer l'un l'autre à de nombreuses occasions. Mais comment un meurtrier reconnu, prouvé coupable, peut encore et tu... Quoi? On est où là? Pardon? Mais allez-y. Super. Voir le meurtrier de son mentor pour qui il avait un tel respect profiter d'une
liberté non oui non deserve c'est non non mérité. Oui, même si c'était seulement temporaire jusqu'à ce que Miss Brett soit expatriée à Shanghai, vous pouvez certainement pas blâmer Ray pour ses sentiments de haine et de ressentiment. Pauvre Ray, mais tu m'étonnes. Mais même Mikotoba, qu'est-ce qui se passe? Donc, Votre Excellence, je vous sied de poursuivre cette exposition. Une impression photographique qui montre la scène du crime a immédiatement été prise après ce sinistre incident. Très bien. Merci conseiller, une image tragique. Alors attendez, quoi? Elle avait encore son signe. Toujours un verre de glace. Enfin un verre de vin. Sa valise avec des chaussures. Encore des lunettes, qu'est-ce qu'elle foutait? Là où il y a quoi? Il y a une salle, un truc de thé, il y a une robe derrière. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un soit rentré finalement? Regarde, s'il n'y a pas des traces de pas ou quoi? Elle était empoisonnée encore une fois de plus. Bon, elle est poignardée, mais parce que le fait que ses pupilles soient dilatées, soient contractées, c'est synonyme de poison. Elle a bu du vin, elle est morte, et après elle était poignardée, je ne sais pourquoi. Ah, c'est peut-être Ray qui l'a poignardée derrière. Elle était déjà morte. Elle s'est dit, tiens, je vais la poignarder parce que c'est une salope. Comme vous pouvez clairement le voir, il n'y avait personne à l'intérieur de la hutte qui aurait pu... ou quelqu'un qui aurait pu se cacher. Bon, ça, a priori, oui. La cour va accepter cette photographie comme preuve. Ok, donc une preuve, blablabla. Ok. Comme je le comprends, la victime et l'accusé étaient seuls à l'intérieur de cette hutte de plage au moment des faits. C'est très certainement troublant, je dois dire. Le doigt qui pointe, non, le poids de culpabilité qui pointe fermement, non, le doigt de la culpabilité, pardon, pointe fermement vers l'accusé. Eh bien, Votre Excellence, naturellement, le procureur a rien de, non, a beaucoup plus à faire, à dire à cette affaire. Nous avons bien l'intention de prouver les actions de l'accusé au-delà de toute contention, c'est quoi, de toute contradiction possible. Avec cette fin en tête, je peux confirmer que nous avons des multiples témoins sur la scène du crime en tant que preuve condamnante. Tu peux pas, dans ton résumé, dire qu'elles étaient seules et derrière dire que vous avez de plusieurs témoins. Ça ne va pas, Oshi. C'est pas la première fois que tu nous fais le coup. Hein. Je m'étais déjà énervé la fois d'avant. Des témoins? Mais qui? S'il y a des témoins, ils sont pas seuls. Donc stop. L'un d'entre eux, je dois ajouter, est un détective de police hautement respecté. Celui qui était assigné à la défense. Et c'est sûr qu'il va pas dire que c'est de sa faute. Je vous l'assure, son témoignage... Le témoignage de ses témoins va ne laisser aucune place au doute. Alors ça va être qui, le truc... Le détective de police? Est-ce que ça va être le même avec son bébé, là? Est-ce que ça va être Sholmes? Non, c'est pas possible. Est-ce que ça va être, je ne sais pas, un nouveau personnage? Je ne sais pas. Très bien alors, conseiller, faites venir vos témoins à la barre. Moi, Takitsushi Oshii, attendez ce moment depuis longtemps. Pardon? Oh oui, je ne l'ai pas oublié. Ce procès d'il y a 9 mois, dans cette même salle d'audience. Là où cette petite étudiante m'a humilié. Ah bah tu vas te faire humilier 2 fois mon con, hein. Et toute ta génération sur les générations futures. non, Ryosuke Naruto. Oui. Paf. C'est une insulte au nom de la famille Oshii. Vous ne serez jamais pardonné. Enfin, oublié. Vous êtes devenu je sais plus quoi avec l'âge. Conseiller, mais... Oui. Bon, et les vieux doivent... se tenir à côté pour laisser la place aux jeunes. C'est bien vrai ça.
Kazuma, t'as tellement la classe. Reviens. C'est la façon du monde. Ne l'oubliez jamais. Paf. Je me rappelais plus qu'il avait perdu ses cheveux comme ça. Voilà donc. Je m'en rappelais plus. Pourquoi il a cette coupe de cheveux dégueulasse? Frapper la tête d'un samouraï avec lequel son top knot a été coupé. Et le son de la cloche de enlightenment, c'est de, on va dire quoi, de des idées lumineuses quoi, un petit peu le côté Dieu va nous aider culturel sonne. Oui, ce jour maudit, mon ancien moi est mort. Le début de votre propre révolution Meiji. Est-ce que vous vous modernisez aussi, conseiller? Silence! Depuis, j'ai juré de prendre revanche. Et alors, un petit miracle est arrivé devant moi. Observe la grandeur Oshi. Taf, tu vois. Vous voyez, la graine d'espoir qui sort devant mon front. Bref. Tu restes dégueulasse, Oshi. Je pense que cette petite pousse essaye de me dire quelque chose. J'ai bien peur que je ne peux pas bien vraiment voir où. Où est cet espoir exactement? J'ai dit silence. Aujourd'hui, j'affronte un nouveau étudiant pecto du clan Naruhodo. Et je vais vous vaincre. Et ma victoire sera fertilisante pour ma graine d'espoir sur ma tête. Vous avez été... vous avez été prévenu. Bah alors, je pense que tu vas finir chauve à la fin du procès. Hein. Sache-le. Avec ça, la procureure appelle les témoins à la barre. Il semblerait que les enjeux, voilà, sont hauts des deux côtés du procès. Bon, enfin, là, c'est pour sa fierté, quoi. Le procureur et la défense ont chacun beaucoup à perdre. Oui, une coupe de cheveux et... pas vraiment comparable à la vie de Rei. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les dents, le père, là. N'importe quoi. Bien répondu, Susato. Non, mais... Ah ! Ah ! Bon, on les connaît tous. Mais non. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça peut pas. Qu'est-ce qu'il fout là, Natsume ? Qu'est-ce que Natsume fout là? Et on se retrouve encore avec notre... C'est lui le détective. Il est toujours là. Bon. Bref. Lui, il n'y a aucune chance qu'il ait pas reconnu la voix de Susato, quand même. Non? Bon. Témoin, s'il vous plaît, veuillez déclarer vos noms et vos professions à la cour. Notre ami Osonaga... Inspecteur en chef Satoru Osonaga, avec une tortue sur la tête, du bureau impérial de police. Je suis déguisé, évidemment, donc je ne peux pas que je ne puisse pas être découvert. Et je suis, eh bien, la prochaine. The next big thing in books. Bref, le prochain nom dans les livres, un auteur qui a renewed throughout the capital, in fact. Bref, qui a trouvé du renouveau avec la capitale, en fait. Oui. Bientôt à la vente, le satirical, donc le livre satirique « Je suis un chat ». Un succès sensationnel par Soseki Natsume. On le trouve là et je ne sais pas qui est l'autre blaireau derrière. Oh mon dieu.
Il sait pas à qui il parle, parce que Soseki, c'est quand même nous qui l'avons sauvé, hein. Rappelons-le. Struggling student from the provinces, please. You need a bit in awe of me. Oui, bon. Étudiant des provinces en PLS, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être. De me devoir quelque chose. Je n'ai pas besoin. C'est seulement naturel que vous soyez nerveux en ma présence, mais je vous en prie, relaxez. Relaxez-vous. Appelez-moi Soseki. Oui. Qu'est-ce que Soseki fait ici? Oui, fais attention, Susato. Cette hauteur te connaît depuis ton temps à Londres, n'est-ce pas? S'il t'expose pour qui tu es vraiment, cela sera terminé avant même de commencer. Oui, oui, évidemment, je sais. Je présume que Soseki ne m'aura pas oublié. Je ne peux certainement pas l'oublier lui. Même s'il semble avoir changé pendant les 6 mois ou presque depuis la dernière fois que je l'ai vu. Et pour ce qui est de l'inspecteur Osonaga, cet accoutrement incroyable est difficile à croire. Est-ce que j'ai quelque chose sur ma tête? Oui, une tortue. Eh bien, des lunettes pour commencer, et même si ça ne semble pas vous aider à voir. Des lunettes pour commencer, même si elles ne semblent pas vous aider à voir. Lol. Merci. Merci Dieu, finalement, qu'ils ne me reconnaissent pas. Ah, je suppose que c'est ce déguisement, n'est-ce pas? Je pensais que apparaître dans les vêtements avec lesquels je portais au moment des faits rendrait mon témoignage plus... plus probant, plus réaliste, je sais pas. C'est mon principe de guidant, blablabla, de porter tous les témoignages sans faille. Oui, on est au courant. Eh bien, je peux apprécier pourquoi le bureau de police impériale doit être présent. Bon, bref. Par contre, lui s'en rend pas compte que c'est le même inspecteur. Mais qu'est-ce qu'un auteur tel que vous faisait à la scène, Soseki? Sur la scène, Soseki. Eh bien, voyez-vous. On m'a demandé de donner une lecture ce jour-là. Au moment de l'incident, à l'université impériale de Yumei, au grand hall de lecture. Sans déconner, à l'université Yumei. Après cette lecture, j'ai eu une conversation très plaisante avec un chercheur de la science médicale du département de sciences médicales, le professeur juste là en fait. Avec le professeur Mikotoba. Oui, c'est cela. Cela a été arrangé par l'un des journaux. Il voulait avoir l'histoire. Non, il voulait une histoire à propos de deux étudiants précédents qui avaient étudié en Grande-Bretagne. Évidemment, en tant qu'auteur reconnu, la presse ne me laisse jamais seul. Ils m'espionnent secrètement, prennent des photos, écrivent des histoires et scrutent ma vie privée. Ah. Comme vous pouvez le voir, la conversation a été écrite dans ce journal ici même. Lisez-le avec votre plaisir, mon provincial étudiant en panique, ami. J'ai plein de copies. Il se la pète complet. Merci beaucoup. Il m'a pratiquement jeté ce journal sur moi. Ok, on va aller voir ça tout de suite. De toute façon, après mes interviews avec le professeur, on va voir la scène du crime plus en détail. C'est de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. Il y a la tache de vin ici présent. Il y a le fait qu'elle ait été poignardée mais qu'il n'y a pas de sang sur le corps. Il y a le masque. Il y a un stylo dans la main.
Les lunettes ici. Il y a la bouteille qui est pas là. Voilà. Et là, on sait pas trop ce qu'il y a d'autre. Du thé, machin. Ok. C'est bizarre quand même. Bon, il n'y a rien d'intéressant de plus là-dessus. Et ici, examinons le journal. Alors, tout est en japonais. C'est logique, on est au Japon. On n'a pas de traduction. Quel est ce chat? Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait le chat de d'Iris Wilson. Non? Ok, ok. Intéressant. Bon. Pas plus intéressant d'intérêt là-dessus. On n'a pas la traduction du journal. Alors, de toute façon, la femme en question est apparue et a fait une annonce inattendue. J'aimerais aller avec tout le monde voir les codes de ce pays. Cela était ses mots. Comme je l'ai expliqué auparavant, Miss Brett n'a jamais été amenée en prison. Enfin, garde à vue. Elle a continué de travailler dans mon laboratoire, sous une surveillance stricte, évidemment. Ce qui a évidemment inévitablement conduit l'université à contacter le gouvernement pour chercher un guide. Et la réponse a été « Permettez la Miss Brett d'y aller à partir du moment où un détective l'accompagne. Ce détective, je suis en liberté de le divulguer, était moi, chef inspecteur Osonaga, Satoru Osonaga. » Et bien encore une fois, dis donc, t'es une bien belle brêle en tant que détective, hein, Osonaga. Cosplayer, je sais pas, mais détective, t'es une brêle. Hein. Ça fait 3 fois que tu laisses qu'il y a des mecs qui crèvent sous ta direction. H. Witchen, Kazuma et cette pouf. Bon, la pouf, on va pas la plaindre. Une fois, t'as bien fait ton boulot sur les 3, quoi, finalement. Et les deux autres, par contre, on t'en veut un peu. Alors, cependant, c'est peut-être lui, en fait. Hein. C'est peut-être lui, le connard. C'est un méchant, en fait. Bref. Donc, le groupe entier est parti en accordance. Enfin, oui, voilà. Est parti, donc, du côté de la mer, il semblerait. Ça a été extrêmement... ça a été un challenge extrêmement difficile de vider les autres membres du public de la plage. Logique. Il est toujours en train de crever, lui. Ça a l'air quoi dans la bouche? Il avait un truc bleu dans la bouche. Bon, il saigne toujours, mais il avait un truc bleu dans la bouche. Bref. Mais malheureusement... I am at peak physical fitness at the moment, so... Mais non, heureusement, j'étais au meilleur de ma forme. Je suis au meilleur de ma forme en ce moment, bien sûr. Dit-il en crachant du sang. J'ai été capable de porter mon devoir sans faille. Mon Dieu, inspecteur, vous, eh bien, vous avez maintenant quelque chose sur votre tête. Ah, unsightly. C'est dégradant. Bref, je m'excuse. Est-ce que cela veut dire que tu es allé à la plage aussi, père? Non, non. Heureusement, j'avais du travail à faire. Mais malheureusement, évidemment, ça veut dire que mon assistant Ray a été invité à prendre ma place. Évidemment, en tant qu'auteur reconnu, je n'aurais pas aimé décliner cette invitation. Ha! Mais seulement si je l'avais fait, je n'aurais jamais vu cette horrible vue. Enfin, horrible vision. Relentlessly racked by remorse and regret. Tu aimes encore te faire ça, toi. C'est intraduisible, parce que c'est en rime. Mais il est content. Pas du tout. Il a du regret. Très bien, je dois dire maintenant de vous que votre... Attendez, I must now ask you to present your formal testimony. Je vous demande maintenant de présenter votre témoignage formel à la cour. Vous avez donné... Un certain... Vous
vous avez donné quoi? Alors, you will give an account of all that you witnesses on your impromptu excursion to the coast. Ok, bon, bref, vous allez dire vos témoignages. Merci. Évidemment, votre excellence. Toujours en train de crever. Et lui, en PLS. Mais tu redis la même chose. Il y a du remords et du regret. C'est bien. Witness testimony. Les témoins. The witness's scene. Ok, la vue, la scène vue. Visionnée. Alors. Le jour de l'incident, j'ai été ordonné d'une surveillance spéciale avec un déguisement. Alors, j'ai à peine réussi à attraper ce crabe lorsque j'ai soudainement entendu a caterwaul from behind me. Il a entendu quelque chose derrière lui. C'est quoi un caterwaul? Caterwaul. Miauler. C'est un miaou. Il y avait un chat derrière lui. Caterwaul, c'est un miaou. C'est un miaulement. Alors j'ai couru sur la plage. Enfin, jusqu'à la hutte de la plage très rapidement. Quand j'ai vu le duo en question. Oui, oui, oui. Cette jeune fille était à côté de la jeune femme, dague en main, tandis qu'elle la poignardait avec rage. J'ai vu du sang sur la lame, et cela m'a prouvé qu'elle avait été poignardée, qu'elle a poignardé la victime de multiples reprises. Ok, bon, bah déjà, ça commence mal. En effet, il semble que le témoignage des deux témoins est ici présent l'ait vu. Le moment même de ce crime haineux. Ok, bon. Je pense que nous avons déjà une bonne idée de ce qui s'est passé. Elle est morte empoisonnée. Et elle s'est fait buter à multiples... Enfin, elle s'est fait poignarder. Une fois, plaf. Elle a enlevé le couteau. Pour juste se venger, un acte sanguinaire, quoi. Ou même pas. Elle a peut-être juste enlevé le couteau pour essayer de la sauver. Je sais pas. Pourquoi elle aurait fait ça? Mais en tout cas, une seule blessure a été identifiée, donc elle n'a pas pu être poignardée plusieurs fois. Quoi? Maintenant, si vous vous rappelez bien, j'ai promis une évidence, une preuve également. Quelle phrase j'ai utilisée? Ah oui, j'ai vu. Une preuve condamnante. Qu'est-ce que vous avez ici conseillé? Un stylo à plumes, n'est-ce pas? Correct, votre excellence. J'ai trouvé cela sur la scène du crime, tandis que j'examinais le corps. Il semblerait que dans ces moments, ces derniers instants de force, la victime a donné une preuve qui identifierait son tueur. Quoi? On va refaire le coup du nom écrit dans le sable. Votre Excellence, si vous voulez bien jeter vos yeux sur cette photographie de la scène du crime une fois de plus. Ah, montez des vignes. Oui, moi. Eh bien quoi? Oui, la victime essaye clairement. Non, grasping something quite deliberately. There in your hand. Oui, tiens fermement quelque chose dans sa main. Oui, c'est du stylo. C'est cela, ce stylo à plume. Et si vous examinez le stylo, votre excellence... Oui... Ah! Les initiales du propriétaire ont été gravées dans le plumeau. R.M. Ray Membami. Oui, alors les initiales. Bonjour, ça ne va pas fonctionner. Parce que, évidemment... Ah, ils ont changé son art quand même. Bon, il n'y a pas quelque chose d'autre. Bon, les initiales de l'accusé. Ah, non. C'est les mêmes animations, c'est trop bon. Bon, évidemment, ça va pas être bon, hein. Ça va pas être tes bonnes initiales. Alors, bah, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain pour
la suite comme d'habitude. Je sais qu'il y en aura un prochain, donc la semaine prochaine il y en aura un, puisque je vais le tourner là. Mais après, ben, on ne sait pas, on verra bien. Allez sur mon site si vous voulez savoir plus d'infos sur qu'est-ce qui arrivera, quoi, quand. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.